bien, salut à tous, à TeamZen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler des défis Camailleux versus Allure. Le guide complet, la liste complète des défis, vous savez que maintenant les défis ou alias missions hebdomadaires vont être complétés à partir de ce qu'on appelle l'ultime effort, puisque vous aviez déjà Panacé vs Toxin qui avait commencé la semaine dernière. Ensuite, ces semaines, on a eu Barbotte vs Méandre et Octuple vs Scratch, débloquant ainsi des styles de skins assez sympas, je vais vous les montrer les gars. On avait pour Panacé vs Toxin, regardez, la version violette, alors que les autres versions étaient donc la version de base rouge. Ensuite on avait Toxin, et on a fini avec la version donc violette. Pour par exemple Barbotte et Méandre, on avait donc le Barbotte de base, ensuite la version rouge, Méandre, et maintenant la version violette, donc avec les défis ultime effort. Pareil pour Scratch, on avait eu le Scratch octuple de base, donc version noire et blanche. Ensuite on avait eu la version blanche qui est devenue ensuite totalement infectée par un virus, selon votre niveau, donc au niveau 300 le virus était complet. Et on avait la version or avec les défis d'ultime effort que je viens de vous parler. Aujourd'hui ce que je vais vous parler les gars, c'est des défis qui vont arriver dans 14 jours. Ces défis donc sont Camailleux vs Allure pour avoir un style supplémentaire. Et le skin en question, ça va être celui-ci. Hop. Donc Camailleux vs Allure. Camailleux c'est celui-ci. Le Allure, c'est celui-ci. Et le skin à débloquer, ça va être la version jaune, comme ceci. Donc cette version jaune, les gars, pour la faire, écoutez-moi bien. Vous allez débloquer, en plus de ça, normalement, si tout se passe bien, vous allez débloquer l'accessoire de dos qui doit être quelque part par là, parce que du coup, c'est ça, c'est celui-ci. En version jaune aussi. Et les pioches qui sont des lames justement quasi identiques au truc. Regardez, c'est des surins stylés, mais version jaune. Donc pour avoir ça, je vais vous expliquer concrètement. Vous allez avoir le pass de combat déjà qu'il faudra donc payer et arriver au palier 80 pour débloquer donc le skin de base Camailleux. Une fois que vous avez le skin de base Camailleux, pour débloquer la version Allure, il va falloir faire des semaines de défis complètes à 100% comme moi, pour ensuite débloquer cette étape là. Donc il faudra asperger d'aérosol un pont en acier vert, jaune, bleu, rouge ou violet en portant la tenue Camailleux. Ensuite vous débloquez donc la tenue Allure comme vous pouvez le voir à l'instant. Alors une fois donc tout ça fait, vous allez avoir les défis qui vont se débloquer dans 14 jours à l'heure où je vous parle, hein. Peut-être que vous allez voir cette mission la veille. Et vous allez avoir donc la liste de défis qui va se débloquer comme pour ici, comme pour là, là, etc. Donc ces défis en question, je vais vous les dire tout de suite. Donc les défis vont être les suivants. Donc, attraper un objet avec une canne à pêche à plusieurs endroits signalés par un panneau de pêche interdite. Je vous ferai, bien sûr, les guides de chaque défi, donc pour que vous puissiez avoir l'aide appropriée. Deuxième défi sera de manger une pomme, un champignon et un champignon au bleuvage. Vous savez qu'il y a des champignons différents, il y a des champignons un peu phosphorescents qu'il y a au niveau de Slurpee, et il y avait des champignons normaux que vous pouvez trouver un peu partout au niveau des forêts, ainsi que des pommes au nord par exemple de Frenzy Farms. Troisième défi, fouiller un coffre rare ou un lama de ravitaillement. Donc lama de ravitaillement, c'est un peu plus dur de les trouver, un coffre rare sont des coffres que vous allez trouver de couleur bleue sur la carte aléatoirement, donc c'est pas vous qui choisissez. Sauf si vous êtes par exemple, attention, en or massif, où tous les coffres vont être d'une rareté, donc légendaire. Tout ça pour vous dire qu'on passe donc au quatrième défi, qui sera de réussir des éliminations à des lieux dits différents. Donc ce sont les lieux marqués en blanc sur la carte, donc Salty, Pleasant Park, Sweetie Sands, etc. Donc le petit défi suivant sera d'attraper un poisson au lac des Canoës, à Lazy Lake et à l'étang poissonneux. Donc je vous indiquerai pareil un petit guide avec les différents endroits et comment les attraper, etc. Défi suivant, visiter un fauteuil inclinable isolé, une station de radio et un cinéma en plein air. Donc pareil, les endroits je vous les montrerai sur la carte, et chaque défi sera sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner les gars et à mettre la petite cloche à chaque fois que je ferai une vidéo, vous serez informé. Donc on passe aux quelques derniers défis que vous devrez faire. Réussir une élimination avec un fusil d'assaut et un fusil à pompe ou un fusil à sniper. Donc vous allez avoir fusil d'assaut, fusil à pompe et fusil sniper à effectuer en termes d'élimination. Le mieux sera la foire d'empoigne, donc n'hésitez pas à préférer cette petite méthode là. Vous allez comme moi ici dans les modes de jeu, vous allez choisir foire d'empoigne, ce sera mieux pour valider vos défis. Ensuite,
Les trois derniers défis seront détruire un télescope, une télévision et un poteau téléphonique. Donc je vous montrerai à quoi ça ressemble un poteau téléphonique parce que je pense que le reste vous savez ce que c'est. Donc à ce moment-là, le temps venu, je vous mettrai tout ça en ligne. Trouver un nain de jardin caché entre un circuit de course, un carré de choux et un panneau farm. Donc ça je pense que ce sera au niveau de Frenzy Farms. Je vous donne déjà un petit indice, mais je devrais aller voir exactement l'endroit et je vous montrerai ça en vidéo également. Et pour finir, le dernier défi sera de danser au sommet du mont H7, donc qui se trouvera normalement dans la case H7, du mont F8, donc comme indiqué, du mont F8 et du mont Kai. Et à ce moment-là, pareil, je vous mettrai en vidéo l'emplacement exact du mont Kai et pourquoi il s'appelle le mont Kai. C'est parce que je crois que c'est le mont le plus haut de la carte et donc qui porte un nom. Je vous montrerai tout ça en défi et en vidéo. N'oubliez pas, le jour venu, normalement le 30 janvier 2020 à 14h. Tous ces défis sont susceptibles de changer, même si je pense pas, parce que c'est les choses officielles qu'on a trouvées dans les fichiers de Fortnite. Donc voilà les gars, à peu près la liste de ce qu'il faudra faire pour être sûr d'obtenir Allure version dorée, comme ceci les gars. Donc je vais vous la chercher une dernière fois pour vous la montrer. Hop. Donc version jaune, comme ceci. Avec la cape en plus, ça passe bien 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 là, donc pourquoi pas les gars, vous allez l'avoir gratuitement si vous avez acheté le pass. Donc faites-vous plaisir, c'est des styles débloquables gratos. Donc j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas les gars de mettre un petit like sur la vidéo si c'est le cas, de mettre le code créateur Telmo-Lopez comme ceci. Et bien sûr de vous éclater en commentaire à me dire ce que vous en pensez de ce style débloquable de Allure. Le plus important comme d'hab, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.